Regarde, c'est ici, là, quelque part. Regarde, tu vois, dans le rond-point, il y a du feu là-bas, regarde. Ils sont en train de tirer. Contrôle. Et moi, hôtel l'angolo, non, non, mec. On a déjà fait un peu de soutien. Là, on a fait un peu de soutien. Voilà, il y a un peu de soutien. Il y a un peu de soutien. Il y a un peu de soutien. Allez, on a un peu de soutien. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité
afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun, à ce qui le concerne, de rester dans les casernes et continuer leurs activités régaliennes. Nous n'avons pas, on ne va pas reprendre les erreurs du passé, nous allons nous concentrer sur le développement. Est-ce que vous m'expliquez ? Oui. Depuis que vous êtes dans le locaux, est-ce qu'on vous a pas torturé, non ? Est-ce qu'on vous a... On a touché un seul de vos cheveux. On vous a brutalisé ? Non. C'est là, ça. C'est pas tout à l'heure.